Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer deux outils de PowerPoint qui vont vous permettre de faire plein de choses avec vos images. Regardez déjà ce que j'ai fait avec une. Voilà, vous voyez, c'est très sympa. Alors on va voir déjà comment avec un fauteuil et un personnage, on peut faire asseoir le personnage sur le fauteuil tout simplement. Alors là pour l'instant on voit le fauteuil est bien transparent, sur fond transparent. Seulement, ce qui ne me plaît pas, moi, c'est l'ombre qu'il y a en bas. Donc, je vais aller dans Format de l'image. Et ici, je vais supprimer l'arrière-plan. Alors, on voit que là, du coup, elle m'a supprimé toutes les petites choses qu'il y avait en ombre. Ici, voilà. Donc, on va regarder. Conserver les modifications et notre chaise, elle n'est pas terrible, je ne sais pas pourquoi. Il faut absolument que tout soit bien marqué. Voilà, on essaye. Ah ben voilà, elle est mieux notre chaise avec les roulettes. Voilà, donc on a une belle chaise avec des roulettes sur un fond transparent, ce qui est encore mieux, on va pouvoir le mettre n'importe où. Puis on a ce monsieur qui est assis dans le mauvais sens par rapport à nous. Donc on va prendre notre fauteuil, on va aller dans Format de l'image. Ici on a Rotation et on va retourner horizontalement le fauteuil. Voilà notre fauteuil. Et puis on va faire asseoir le monsieur dessus. Mais là pour l'instant c'est embêtant parce que notre fauteuil il vient cacher notre bonhomme. Donc on va cliquer droit. On va aller dans arrière-plan et aller jusqu'au bout et reculer. Et voilà notre bonhomme qui est bien assis sur notre fauteuil. Voilà, pas plus compliqué que ça. Et c'est quand même intéressant d'avoir un monsieur assis sur le fauteuil plutôt qu'à côté. Et là, si on ne veut pas que nos modifications soient perdues, on va dans grouper et on clique sur grouper. Voilà, ça c'était le premier petit truc que je voulais vous montrer. Maintenant, on a une belle image et ce qui nous intéresse, nous, dans cette image, c'est pas tout ce qu'il y a autour, c'est juste l'ordinateur. Alors, je vais mettre une nouvelle diapo et on va regarder comment faire pour garder que l'ordinateur. Première chose, format de l'image, on rogne. Ça, avec rogner, on peut faire déjà pas mal de choses. En tout cas, enlever un maximum de ce que l'on veut. On vient jusqu'au bord de l'ordinateur, en haut. Et pareil en bas. Le bord. Voilà, on ne garde même pas l'ombre. Si on peut, voilà. Et pareil sur les côtés. Seulement là sur les côtés c'est un peu embêtant hein, parce que soit on coupe une partie du clavier, soit on laisse et on a les choses qui sont derrière. Mais dans un premier temps, c'est ce que l'on va faire. On va garder ce qu'il y a derrière. On va procéder en plusieurs étapes. Alors ça c'est la première étape. On a donc une première image de notre ordinateur final. Bon, on voit bien que là, forcément, il y a des choses qui ne nous plaisent pas. Alors, pour pouvoir modifier cela, on va aller, notre image qui a été rognée, on va cliquer droit, l'amener à côté et faire une copie. On approuve. Voilà. Ce qu'il nous faut là, pour pouvoir rogner tout le reste, une fois qu'on a juste l'écran de l'ordinateur, ce qu'il nous faut, c'est pouvoir rajouter ces choses-là sans ça. On est d'accord. On va donc rogner à nouveau. Et là, on va rogner ici. On peut garder le noir. Hein? Et ici, pour ne garder que cette partie-là. Et là, on a donc une partie de l'ordinateur. Ici, on va refaire copier-coller, 1,
copier ici, approuver, et on va faire la même chose. Format de l'image, rogner, et ce qu'il nous faut, ben, c'est l'autre angle. Donc on va prendre l'autre angle, et ici on va descendre, juste l'angle, parce qu'on ne veut pas autre chose que ça. Voilà, on rogne, et nous voilà avec notre deuxième coin. Donc maintenant, notre image principale, on va la rogner, et on va venir jusqu'au bord. Et de l'autre côté, pareil, on va venir jusqu'au bord. Voilà notre image de l'ordinateur, elle est de mieux en mieux. Il y a ici notre partie du clavier que l'on rajoute. Et ici, l'autre partie de notre clavier que l'on rajoute. On peut régler au poil près avec les flèches. Hein? Voilà. Donc, vous voyez, vous avez un très beau... Peut-être qu'il n'est pas assez à l'extérieur. Voilà. Peut-être que c'est mieux comme ça. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, on a un très bel ordinateur maintenant. Mais on a encore des fonds qui ne nous plaisent pas. Donc, on reprend notre ordinateur. On va grouper. Grouper, alors ça ne va pas. Grouper, hop, voilà. Est-ce que tout vient? C'est parfait. Alors maintenant qu'on a notre ordinateur, on va essayer d'enlever les fonds qui ne nous plaisent pas. Pour pouvoir modifier notre image et enlever l'arrière-plan, là, ce n'est pas encore une image à part entière, c'est un morceau d'une autre image. Donc on va commencer par enregistrer en tant qu'image cette image. On va la mettre sur le bureau. Voilà. Donc maintenant, on va supprimer l'arrière-plan de cette image. Donc on va enlever ici. Voilà, tout petit bout ici. Ici, on va le faire en blanc aussi. Là aussi. Voilà, ici. On n'a pas fini. Alors, on a marqué les zones à conserver. Donc ici, on a des zones à conserver. Et ici, zone à conserver. On a celle-ci, voilà. Celle-ci, elle est revenue, on va l'enlever. Voilà, et notre ordinateur est à peu près bien. Voilà, on va pouvoir, maintenant qu'on a ça, refaire un petit rognage de notre image pour que cela vienne juste ici. Et comme ça, ça devrait être mieux. Voilà notre ordinateur. Il n'y a plus que l'écran. Bon, ça demande un petit peu de temps, mais des fois, ça vaut la peine de le changer. Vous voyez, ça, c'est l'image que j'avais faite précédemment. Alors maintenant, on va passer à cette petite animation. Donc, on a un jeune homme qui court et qui se retrouve dans le candélabre ou dans le lampadaire, comme vous voulez. Toujours est-il qu'il a dû se faire mal, mais c'est pas ça le problème. On va prendre donc
Une nouvelle diapositive. Nouvelle diapositive. On va aller prendre cette photo pour la remettre dans le fond. Coller, hop. On prend notre image et on va l'agrandir un peu sur le haut parce qu'on a besoin du bas pour que nos personnages puissent passer. Et puis là, en bas, j'ai... Alors, on va déjà commencer par y mettre notre personnage qui court. Il a l'air très content. Allez, on le met ici, à côté. Il se met au milieu, c'est pas grave. On le met ici et il va courir jusqu'à l'autre côté de l'image. Donc, on va lui faire une animation. On ouvre le volet d'animation et on lui ajoute une animation. On le fait aller tout droit vers la droite. Voilà, on réglera les détails par la suite. Dans un premier temps, on peut l'avancer un peu, mais c'est pas la peine d'aller plus loin. Maintenant, ce que l'on veut, c'est mettre notre candélabre, enfin notre luminaire, tout au bout, histoire de mettre une petite entrave à la course de ce jeune homme. Et on va mettre maintenant le jeune homme qui s'aperçoit que malheureusement, il y a un lampadaire qu'il n'avait pas vu. Et il est en train de se le prendre en pleine tête. Alors, là, vous voyez que si je mets mon jeune homme comme ça devant le candélabre, c'est bien embêtant. On a l'impression qu'il passe devant. Et moi, je veux qu'on ait l'impression que le jeune homme se prend le candélabre en pleine tête. Sinon, ce n'est pas drôle. Donc, on va faire deux petites choses. On va prendre notre candélabre, on va aller dans Format de l'image et on va rogner. On va rogner. Il y a une partie du candélabre qui doit rester devant, c'est qui doit rester derrière le jeune homme, c'est la partie basse. Donc on va le laisser en bas comme ça, normal. Et on coupe. Et puis, il y a, donc on va prendre le candélabre, on va pousser un peu le jeune homme là, et on va le copier et coller plus haut, copier voilà ici. Mais on va rogner cette fois-ci le bas du candélabre. Voilà notre lampadaire qui est maintenant comme ça. Donc on a une partie qui va passer au premier plan, avancer, et l'autre partie qui va rester ici. Est-ce que ça marche? Eh bien oui, on voit bien le pied qui passe devant et notre monsieur qui se prend... Le petit jeune homme qui se prend le lampadaire en pleine tête. Voilà. Donc maintenant, on va animer. Parce que si on n'anime pas, c'est moins drôle. Alors donc, on a mis déjà une animation pour ce jeune homme. Volet d'animation. On a fait en sorte que le jeune homme avance. Alors là, on va faire en sorte qu'il avance. Mais jusqu'à se transformer en jeune homme qui va se prendre le candélabre. On est d'accord? Et du coup, cette image-là, on va regarder déjà à quelle vitesse ça va. Ouais, ça va assez vite. Donc, on peut imaginer, on va aller regarder dans les options. Ça, on va supprimer. Et surtout, le minutage, 2 secondes. On va faire aller encore plus vite. On va mettre 1 seconde. Voilà. Et donc, maintenant, celui-ci, il va falloir lui... ajouter une animation et on va le faire tout simplement disparaître après le précédent. Celui-ci, il va devoir apparaître après le précédent, bien sûr. Alors, on va regarder les options d'effet. C'est bon, tout est OK, tout est à 0. Et on regarde. Et voilà. Vous voyez, c'est pas mal, hein? Bon. Je vous laisse la possibilité de refaire avec les mêmes images que j'avais en téléchargeant
le PowerPoint sur lequel j'ai travaillé. En cliquant sur le lien, vous allez pouvoir vous inscrire pour télécharger le PowerPoint. En attendant, eh bien, je vous souhaite de bien réussir de belles vidéos. À très vite. Surtout, pense à t'abonner, pose tes questions ou laisse un commentaire et puis clique sur la cloche pour être sûr de recevoir les notifications des prochaines vidéos. À très vite.